Yo les gens de Gravity, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Ça fait au moins je sais pas combien de fois que je recommence cette vidéo, mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept de revoir nos anciennes vidéos. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs gros youtubeurs qui l'ont fait, nous non. Donc voilà, c'était pour savoir si ça vous plairait. Donc c'est parti, donc on va avoir justement une 9 ultime. Moi apparemment j'ai fait un point de vie. Vous verrez, vous avez retrouvé ce petit clip il y a 9 mois. Ça fait ça fait 9 mois, bientôt un an. Ça va être pas mal. On était au 1957, pourquoi pas les 2K. C'est parti, je lance la vidéo. On se souvient le petit bandit, avion classé, j'avance un petit peu, voilà, tout simplement le petit bandit qui fait bien zizir, avec le triple barbelé bien évidemment, ce qui fait vraiment très plaisir, ça faut pas s'en faire, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, donc ça fait toujours très plaisir quand même de revoir un petit bandit à coque, etc. Donc voilà, on dirait plutôt un autiste qui essaie de poser des barbelés, mais c'est pas grave, hein, puisque voilà, comme... Ok, je commençais à jouer, donc me critiquer, faut pas trop me critiquer hein, sur ça. D'accord, merci beaucoup. Donc on pose les triples barbelés dans le couloir principal, bien évidemment. Donc on va déposer les deux derniers bandits en direction du grand couloir intérieur. Voilà, ce qui est la base quand t'as que 4 bandits, bien évidemment. Hein. Donc on pose le dernier mur en même temps, ce qui est aussi sympa. Donc on part en 4v5 directement, c'est cool. Merci à toi, Jaeger, qui n'a servi strictement à rien. Donc ok, donc là super, bravo, super Gravity, super les exemples, c'est pas jeunesse, super. Tu passes devant la grenade, dans le couloir et tout, pas mal, pas mal. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Ok, oh lolo, on tente, 22 PV, on a tenté, on tente, oh lolo, lolo. On a tenté, on n'a pas trop réussi bien évidemment. Donc là on va tempo je pense, ouais, si je me souviens bien, on tempo un petit peu quand même. Ouais, nickel, on tempo, donc normalement on doit voir peut-être quelqu'un arriver, on part en 3v5. C'est moyen, c'est moyen. Oh, grosse tête sur bug de notre part, ça fait plaisir. C'est magnifique, donc là je crois que j'ai entendu du bruit allongé. Mais je pensais que ça venait vraiment du bout, mais vous allez voir où ça venait, il n'était pas allongé. Je crois qu'il était allongé, ou peut-être au début il était allongé, mais il n'est pas là-bas. Vous allez voir, je ne vais pas vous spoil, parce que... Ça sert pas à grand chose de vous passer si vous êtes en mode oh, ouais, mais oh là là, ça se fait pas. Il nous a spoil. Donc voilà, donc tout simplement, je vais pas vous spoil. On va voir où c'est. Normalement, il y a un moment où je vise plus, je rentends et je rush normalement quelque part. Je sais plus trop quoi. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est là. Et regardez où elle était. Regardez là, la petite. C'est magnifique. C'est magnifique. On part en 3v3 grâce à Bibi. C'est encore mieux. Désolé, Ninja. Tu bouges. Donc là, on voit juste le bout du canon dépasser. C'est assez. What the fuck? Voilà. Donc là j'ai 7 points de vie, mais j'arrive pas à cette époque là, donc je préfère grosse prendre la grosse ligne. Tout simplement. Donc là j'ai été spot par un drone, j'étais pas très bien parce que je me suis dit putain c'est le mec qui me décale, je me prends une grosse tête dans la gueule, je veux pas comprendre quoi. Donc compliqué, là j'ai entendu quelqu'un je crois. Et vous allez voir ce qui va se passer. Hop, H, 1 PV les gars, un putain de PV. Un foutu PV, on est en 2v2, l'autre il est coincé là-bas, je me suis dit, si tu aides pas. Ça va être la merde, ça va vraiment être la merde si tu l'aides pas, donc compliqué, en plus là je me fais spot, compliqué. Là je sais pas pourquoi je tire dans le barbelé, hein. Je crois que ouais, voilà, c'est à ce moment là où j'ai tiré dans le barbelé. Là on voit le bout de canon dépasser, je me dis, avance un petit peu et tu vas te prendre une tôle. Donc là Ibana qui passe le désamorceur, poser l'autre carte sa ligne et je décide tout simplement de la rush en oscope et ça veut dire grosse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un bon petit j'aime, un bon petit like. Et j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ce nouveau type de vidéo. Pourquoi pas une série avec vos vidéos. Vous me direz tous en commentaire. Le lien de mon adresse sera en commentaire. Ciao.